peut encore viser le titre. Ouais, elle joue bien pour le moment, elle figure parmi les favoris, c'est sûr. Mais dans la deuxième partie de saison, il y aura encore un peu plus de pression. Allez, le 11 de départ du Paris Saint-Germain. Le schéma tactique retenu par l'entraîneur aujourd'hui. Un 4-5-1, semble-t-il. L'idée est surtout d'empêcher l'adversaire de passer le milieu de terrain. Bien centré de la part de Neymar. Pour y apparaître la composition du Real Madrid. Marco Verratti. Mbappé. Javier Pastore. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Isco. Marco Asensio. Attention, il est passé. Cristiano Ronaldo. Ah, la passe n'arrivera pas à destination. Mbappé. Attention, peut-être l'occasion de placer un contre. Et la contre-attaque qui se poursuit. Marco Asensio. Isco. Le Real Madrid qui s'approche du but. Cazorla. Neymar. Marcelo. Carvajal. Isco. Modric. Isco choisit la frappe. Le gardien qui repousse. Avantage pour le Real Madrid, ça joue. La relance pas terrible. Il ne faut pas se rater dans cette zone. Ah, c'est pas fini. Ils peuvent peut-être partir en contre. Javier Pastore. Attention, ouais, la bonne passe en profondeur de Pastore. La frappe de Neymar. Oh, la parade du gardien à bout portant. Il fallait le sortir, cet arrêt. Franchement, c'est bien joué. Le ballon est perdu pour tout le monde, là. Dani Alves. Javier Pastore. Mbappé. Edinson Cavani, dont on apprécie généralement à la fois la polyvalence et l'esprit combatif. Neymar, la frappe de Neymar. Oh, ce tir qui frôle le poteau. Partait bien, pourtant. Pourtant très puissant, mais bien ajusté. Isco. Luka Modric. Luka Modric, des qualités exceptionnelles chez ce milieu de terrain. C'est vraiment le milieu comme on les aime, quoi. Le joueur technique, polyvalent. C'est un de mes joueurs préférés, exceptionnel de l'équipe. Attention à la frappe. Oh, c'est juste à côté. Ah, mais le défenseur est bien revenu. Je suis obligé, le tireur a précipité son geste. Marco Verratti. Ouais, bien joué par-dessus pour Asensio. Oui, il a centré là. Le centre qui se rentre le gardien, tranquille. Neymar. Javier Pastore. Cavani. Pierre, c'est pas joué ce match pour le PSG. Enfin, clairement, les deux équipes sont très proches et à mon avis, pendant un moment, ça va s'observer sévère. L'occasion pour prendre les devants. Oh, la parade exceptionnelle du gardien sur cette tentative à bout portant. Oui, d'ailleurs, je crois que tout le monde est en train de l'applaudir. Enfin, pour les supporters adverses. Un corner à Edinson Cavani. Ouais, c'est au-dessus. Ouais, il n'a pas réussi à rabattre sa tête. Il était peut-être même un peu court, je crois bien. Raphaël Varane. Bail. Le ballon est perdu pour tout le monde là. Javier Pastore. Ça n'ira pas plus loin. Récupération de Toni Kroos. Il lui rend première intention. Il continue balle au pied, Ronaldo. Modric. Oh, superbe intervention du gardien. Petit exploit là. Oh, la mauvaise passe. Il n'a pas regardé où il la mettait. Il prend sa chance. Qui sort en corner pour le Real. Raphaël Varane.
Ah, il n'a pas réussi à la rabattre. Non, il a mal jugé la trajectoire, sinon il était plutôt bien placé. Il y avait peut-être une faute, mais le PSG qui bénéficie de l'avantage laissé par l'arbitre. Peut-être une bonne opportunité, attention. Ouais, bien taclé, le ballon qui n'est pour personne. Gareth Bale. Luka Modric. Isco. Isco, c'est un milieu créatif. Cristiano Ronaldo qui frappe. Ouais, le but! Oh, le but qui donne l'avantage à cette équipe! Et voilà, c'est parfait ça pour cette équipe, ça va la mettre en confiance. Mais maintenant, attention, il y a un résultat à préserver. Et ce but qui nous permet de voir ces images superbes au ralenti. On voit toute l'application du buteur dans sa frappe. Il donne assez d'effet à son ballon pour le mettre hors de portée du gardien. Superbe. Kylian Mbappé. Et les défenseurs qui vivent un véritable. Cavani, l'occasion. Oh, but! Ah, le relâchement coupable, comme on dit. Hein. Il marque et puis il s'en prend un juste derrière. C'est un match extrêmement serré. Cette égalisation nous le prouve. Un but partout, les deux équipes dos à dos. Marco Asensio. Carvajal. Modric. Interception sur cette passe de Marcelo. Edinson Cavani. Non, non, on a compris l'intention, mais c'est un adversaire hein, qui récupère. Allez, l'occasion de passer devant. Voilà, c'est une interception. Un petit peu, il s'est un petit peu enflammé là quand même, non? Bah ouais, cette distance, c'est pas évident. Ça inquiète pas du tout le gardien. Isco. Real Madrid qui s'approche du but. Ouais, bien taclé, le ballon et l'équilibre parfait à la pause. Un partout après. C'est reparti, le ballon pour les joueurs du Real Madrid. Ouais, la bonne transversale. Kroos. Luka Modric. Et c'est Neymar qui récupère ce ballon. Il cherche Gareth Bale sur ce centre. Rafael Varane. Keylor Navas. Kroos. Elle était bien placée pour intercepter cette passe. Quel est votre sentiment sur la première période livrée par Cristiano Ronaldo? Alors, il a trouvé le chemin des filets et même si au tableau d'affichage rien n'est fait, ça ne m'étonnerait pas qu'il soit encore très actif en seconde période. Neymar. Ah, c'est pas fini. Ils peuvent. Ouais, la bonne passe de Neymar dans la profondeur. Ah, c'est finalement la défense. Quel dernier mot sur ce contre. Toni Kroos. Modric. Carvajal. Marco Asensio. Ronaldo. Ah non, ballon perdu. Kurzawa. Il peut y avoir danger sur cette attaque des joueurs du Real. Marcelo. Allez, à deux, il y a du soutien derrière lui. Luka Modric. Ouais, il a bien repris, in extremis. Javier Pastore. Et on revient vers le même joueur, bien joué. On gagne du terrain. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Ouais, la frappe. Oh, l'arrêt du gardien, magnifique. Ah, c'est incroyable, Hervé. C'est un arrêt de handballeur qui vient de nous faire. Super. Et la frappe de Neymar. Isco. Isco. Ouais, toujours aussi précis dans ses passes.
Javier Pastore. Adrien Rabiot. Ça n'ira pas plus loin. Cross. Cristiano Ronaldo. Ouais, le coup franc concédé par Thiago Silva. Ouais, carton jaune. Carton jaune estime l'arbitre. Il est... Pour Thiago Silva. Alors, il avait pris un carton jaune tout à l'heure et l'entraîneur prudemment préfère le faire sortir. Modric. Ah, il perd le ballon, bon tacle. Oh, il peut centrer. Luka Modric. Marcelo. On a c'est un adversaire qui récupère cette passe. Cristiano Ronaldo. Le tir, ouais, la bonne lecture de la trajectoire de la part du gardien. Il va essayer de relancer vite. Ah ouais, le ballon qui circule bien. Ce sera donc une sortie de but. Écoutez ça, Pierre, c'est pas beau? Ouais, c'est super, il y a beaucoup de bruit, beaucoup de chants. Grosse ambiance dans les tribunes. Daniel Kimpembe. Marco Verratti. Edinson Cavani. Modric qui met le pied sur le ballon. Toni Kroos. Attention, il a du champ devant lui. Cristiano Ronaldo toujours. Oh, c'est dangereux ce centre tendu. Ah non, pas là. Le ballon est perdu. On va peut-être assister à une contre-attaque. Pour peut-être dégager. Les 15 dernières minutes du temps réglementaire. Non, non, on a compris l'intention, mais c'est un adversaire hein, qui récupère. Les 30 derniers mètres. Et faute, et coup franc bien placé. Et là, c'est le jeune. Je suis assez vert ce carton. Hein. Ce sera donc un coup franc suite à cette intervention. Ouais, faute, pas d'hésitation du côté de l'arbitre. Le mur qui renvoie le ballon. PSG qui obtient un corner. Il a cherché le point de pénalty sur ce corner. Il y a un danger qui s'éloigne, c'était pourtant bien donné. Cazorla. Toujours ce match nul, rien n'est fait. On en est à 10 minutes de la fin du temps réglementaire. Isco. Il peut y avoir danger sur cette attaque des joueurs du Real. Oh, il s'est fait déposséder du ballon au tout dernier moment. Draxler. Allez, ils ont peut-être de quoi lancer une contre-attaque. Un duel pour la récupération du ballon. Modric. Ronaldo. Il continue Cristiano Ronaldo. C'était compliqué, trop compliqué pour Cristiano Ronaldo. Le ballon est sorti. Le Real va faire un changement. Cazorla. Adrien Rabiot. Draxler. On a envie de créer le danger, bien sûr, côté parisien. Le Real qui s'apprête à faire un changement.
protection du ballon là, bien campé sur ses jambes. Ah, ce sera un bon moment pour prendre l'avantage côté parisien. 2 minutes de temps additionnel viennent d'être annoncées. Il perd le ballon. Cristiano. Neymar. Voilà, il a récupéré le ballon, c'était chaud là. Les deux équipes qui vont donc repartir dos à dos. Personne n'aura su faire la différence. Un match nul finalement assez logique. L'occasion pour prendre les devants. Il bat le pied, Ronaldo. Modric. Isco, c'est un milieu créatif. Cristiano Ronaldo qui frappe. Et le défenseur qui vive un véritable Cavani, l'occasion, un but. Le relâchement coupable, comme on dit, il marque et puis il s'en prend un juste derrière.